TVA Abitibi-Témiscamingue vous présente Ma Région, Ma Richesse. Découvrez notre grande variété de produits régionaux à travers le secteur agrotouristique. Bonjour, je m'appelle Justin Ouellet, copropriétaire du Verger des Tourterelles avec ma conjointe Marie-Ève Gagnon. Le verger est situé à Ville-Marie, au Témiscamingue. Le Verger des Tourterelles est une entreprise producteur de petits fruits. Ensuite, qu'on transforme et qu'on met en marché dans le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis qu'ils ont fait l'acquisition de l'entreprise en 2009, le travail du jeune couple a déjà porté fruit puisque le chiffre d'affaires a augmenté de 25 % notamment grâce à la variété des produits. On a une dizaine de variétés de petits fruits. Notre plus grande production est la pomme avec environ 6 tonnes par année de pommes. Ensuite, il y a le cassis qui est notre deuxième plus grande production avec à peu près 1,5 tonne par année. Les autres productions sont moins significatives. On a la groseille, gabelle, sureau, pommettes, prunes, poires. L'entreprise se spécialise également dans la transformation alors qu'elle produit annuellement 30 000 petits pots et 2 000 bouteilles d'alcool à base de fruits. Dans les tartinades, on fait des beurres, un beurre de pomme au miel, un beurre de pomme rhubarbe. Ensuite, il y a des gelées de groseille, gelées de sureau pommettes. Ensuite, on a sorti un nouveau produit ce printemps qui est un caramel à la pomme et à la fleur de sel. Pour assurer une bonne production, les propriétaires investissent chaque année environ 15 000 $ dans l'entreprise. On souhaite notamment augmenter et diversifier la production d'alcool. On aimerait ça acheter une nouvelle terre pour augmenter notre production de pommes pour faire éventuellement du cidre et l'autre. Ma Région, Ma Richesse. Présenté tous les lundis et mercredis jusqu'au 26 septembre, tout de suite après le TVA Nouvelles de 18h. Un regard nouveau sur les secteurs d'activité témiscabitibiens.